Hey, coucou les chocobos, comment que ça va ce matin? Vous avez bien dormi? Vous êtes prêts pour une nouvelle journée? Enfin, bientôt le week-end, hein. Surtout qu'il y en a pas mal qui font le pont, j'ai l'impression. Comment ça va tout le monde? Coucou Helios, coucou Lolo, coucou Mamie, coucou Nemesis, coucou Sunrise, Violette, ça va tout le monde? On faisait le petit café, le petit déjeuner. Attends, c'est un petit réveil en mer. Et coucou Jean-Henri, coucou Apple, coucou Ella. Petit réveil en mer à chasser les monstres, à pêcher les monstres, à pêcher des poissons. Ensuite, on ira sur Assassin's Creed Valhalla, casser des bouches. Et on finira en musique. Dire Théâtre rythme final barline. On n'a pas du tout fini encore. Hein. Avec l'histoire, on a. Je sais même pas si on a fait les 50%. Il y a de quoi faire aussi sur ce jeu. Hop, hop. La dernière fois, on a fait quoi? Ah oui, on avait fait les crabes. On avait débloqué un super truc, les gens. Enfin. On avait réussi puzzle et ça nous avait donné un truc trop bien. Trop trop bien. Mais j'avais des quêtes super dures. Et on venait. Ah oui, on venait de débloquer la ligne hydraulique. On va pouvoir aller pêcher du poisson d'océan. Peut-être un aller-retour avec la ville serait pas mal pour pêcher les poissons d'océan. J'ai lu tous les livres. Après, je pourrais essayer de faire les reliques. En fait, il y a un poisson dans le coin qui fait mal, mais je pense que j'ai pas encore assez d'amélioration pour. J'ai les falaises dessous. En fait, j'ai une bestiole là qui fait vraiment mal. Les falaises dessous. Ah ben, c'est là. J'ai rien sur moi. Hein. J'ai des trucs vite. Arrange. Hop hop. Hop hop hop. Ça va bien dormi, Sunrisen? Trop dur le rêve. J'ai bien dormi, mais c'est bizarre, c'est que c'était pas comme un sommeil pas très réparateur. Je sais pas si ça vous arrive, genre de dormir comme une bombe. Réveillé comme si et limite pas dormi alors vous êtes dans. C'est assez déroutant. Alors celui-là connaît Tazar Tigre. Sébastien, on l'a déjà fait. Cela, on les a déjà fait. Je crois. On a déjà fait celui-là, mais du coup, on a la plus grande taille. Il y a un truc qui brille. Parce qu'à fait à l'heure.
Alors, la carte. La carte, la carte. On aille vers le nord. J'imagine le chat. Oh, ça on n'a pas, je crois. La vache, j'ai déjà que la grande taille, mais. Oh, la taille. Et lui. Va faire nuit. Là-bas, hein, là. Le bon matériel pour ça. Ah, c'est peut-être le nouveau. Les. Oh non, il y a le bateau là-bas. Bateau fantôme. Le bateau fantôme, il fait flipper. Il y a des trucs que je sais pas encore comment éviter. Là-bas. Ah mais après je peux dormir là. Ah mais... Le poisson, il va plus être très frais. Rien que d'aller d'une ville à une autre qui est pas si loin que ça, je mets énormément de temps. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore. En fait, il faudrait que j'améliore mon équipement. Mais il faut de l'argent, il faut des. Coucou Elios, comment ça va? On est un peu dans une période où voilà, on est entre deux trucs. J'ai une de ses migraines. T'es passé hier? Ah mais oui, la dernière fois il nous avait donné un... on lui avait donné un truc. Il avait mangé un poisson comme ça. Je m'en souviens pas. Bon, qu'est-ce que je peux pour toi? Et pauvre. En fait, il me faudrait ça aussi, mais j'ai besoin de ça. Pour les os. Je dois faire un choix. Je pense que le mieux, c'est de faire de faire un peu de pêche que j'ai jamais pêché. Cardo, on a déjà fait, je crois. On va quand même en pêcher un pour. Cardo perforé. Ah, oh, c'était eux. Ah, c'est absolument dégueu. C'est quoi là-bas? Ah, ça, on l'a pas. Ah non, il y a un point d'interrogation quand on l'a pas. Ok, qu'on l'a jamais vu, mais bon, j'ai quand même trouvé un truc que j'avais jamais vu, mais c'était déformé. Assez sympathique pour se réveiller, ça. Et bon, il a une forme. Comment je vais faire? On va le jeter. Ah, y a du titre. Si, il m'en fallait. C'est vrai qu'heureusement, on a quand même la longue vue parce que. On s'en sert pas assez, mais c'est super utile.
C'est super utile. Comment météo? Comment il va? T'as debout ou pas? Il est où celui que j'avais vu? Il est où en fait? Encore un peu les yeux collés, mais ça va, on se réveille doucement. On pêche. Et on flippe. on peut en avoir plus. C'est un vrai bordel là. Ah, vous avez vu, il fait déjà nuit. Va vraiment falloir qu'on améliore notre bateau pour pouvoir naviguer la nuit sans se faire attaquer par des monstres. De toute façon, j'ai plus de place, je sais même pas pourquoi je regarde. Ah, il y a un truc pour signaler notre présence, peut-être qu'il faut faire ça. J'ai eu un succès. C'est l'écho d'une corne brune. Devant le boulot à au taquet. Après, c'est ta dernière journée là, t'as envie que tu fais le pont demain, je crois. Alors, c'est quoi? Quelle sèche? C'est pas là où il me fallait des. Il me faut. Ah, il me faut une planche aussi. Et après, il me faudra 500. Et là, on aura le bateau, on aura une coque niveau 2. On aura 5 espaces de plus dans la cale, ça va être pas mal. Il nous faut du bois. Il faudrait trouver une planche et puis du poisson parce que. Ouais, j'aimerais bien faire un petit peu d'amélioration de bateau pour qu'on puisse aller continuer l'histoire, mais. Je vous dis là, l'histoire. Comment dire. Merde. Ah, là il y a une planche, je crois. Il y a un. On va dire, il y a une vilaine bébête qui me fait peur. Non, le pont c'est. On en a ailleurs, mais bon. Comme là c'est bizarre, tu vois. En général, le pont c'est quand t'as jeudi férié et week-end, tu vois, normal. Les gens ils vont pas le vendredi. Mais bon, comprendre que certains le faisaient aussi là. Moi, je sais pas, moi c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Hein. C'est avant je travaillais dans le commerce. Et... Du coup, pas trop calé en pont. Je suis pas trop calé. Et GG Sunrise un niveau de plus. Au mois de mai, il y en aura beaucoup. Elle va manquer 5 balles, 5 balles. Alors, où est-ce qu'on va aller?
Un requin cuit. J'ai du requin, je pense. Ah bah plus tu participes sur le chat et plus ça monte. Si tu participes assez régulièrement, je veux dire, un petit peu. Un objet, c'est pas un poisson. Donc pour le moment, j'en ai pas besoin, mais si après j'en ai besoin, j'en ai pas d'avance dessus. Donc j'ai pas de place pour. On va rentrer. On fait pas beaucoup en une journée. Et bon, ça fait. Je pense que c'est normal, c'est voulu pour que tu partes la nuit, tu vois. Mais moi, je suis une trouillarde. Après, il y a les poissons qui sont là que la nuit. Donc il va falloir pêcher la nuit, de toute façon. On est déjà pêché un peu. Mais c'est vrai que quand je m'éloigner d'une ville la nuit, ça me fait un peu flipper. Après bon, je pense que on va peut-être découvrir que certaines choses ne sont pas ce qu'on pense qu'elles sont, mais qu'elles nous faisaient peur pour. Ça rapporte les requins. Et ça prend tellement de place que c'est, je pense que ça revient. Alors améliorons notre bateau. Eh. Hey. Pour avoir plus de place. Il y aura une planche et ça, mais bon, faut 300. Là, ça nous a donné tout ça de plus. Ah, ça a bougé notre phare. Ouh. Notre bateau il est con. J'achète 3. Et là je peux pas mettre un truc. À mentir, tu vends un autre canapé? Si je vends ça et que j'installe 3 moteurs comme ça, ils sont chers. Là j'aurais du 30 mètres heure. Ah là j'aurais pas mal. Et Jojo, merci pour les 11 mois de soutien. Merci beaucoup. Merde, Wizbot est plus. Faut que j'ai réabonné Wizbot. Il est où ce petit Wizbot? Et merci pour les 11 mois de soutien. Comme il travaille, Jojo. Et parce que le pauvre Wizbot, il peut pas. Ça fait moins joli, hein, quand même. J'ai pas pensé. Ah bon bah. Elios m'a devancé. Merci Elios. Merci beaucoup. Et GG. GG, t'as gagné la loterie. Tu vois ta gentillesse. Ça c'est le bon karma, ça. Ça c'est le gentil karma. Et merci beaucoup Elios. Et GG pour la loterie. Enfin. C'est vrai que la dernière fois, il est boudé, là, il s'est dit, tiens, il m'offre un sub, je vais lui faire un cadeau, allez, loterie. Merci beaucoup, Elias, du coup. J'allais le faire, mais merci. GG pour la loterie. GG. GG. Ouais, c'est le problème, à chaque fois que je pense à quel jour c'est pour lui, j'oublie à chaque fois.
Ça aussi, c'est bien avec le partenariat, c'est que tu peux abonner. Je crois que t'as droit à un compte que t'abonnes à vie, il me semble. Et du coup, tu peux mettre ton bot abonné à vie. Ça te rapporte les sous chaque mois, hein. Et en plus, bah voilà, t'as pas à penser à ce genre. Bah merci. Merci, Chocobo. Moi, ça va tranquillou, Jojo. On se réveille en pêchant. On essaie d'améliorer le bateau. Et coucou Apple, comment ça va? Là, j'aimerais vraiment. Je mets trois trucs comme ça. Non, ça se cumule, hein, je pense. En vrai, il me faudrait un autre dans ce style. Donc celui-là, je vais pas le vendre, je vais le désinstaller, comme ça je pourrais le récupérer. Celui-là, j'ai trouvé sur un bateau abandonné. Donc celui-là, il faudra que je désinstalle et que j'achète trois comme ça en attendant. Et par la suite, je les vendrai et il me faudra un deuxième comme ça. C'est pour que ça aille plus vite, tout ça, quoi. Et en même temps, on fait les petits soucis. Que la nuit est courte. Ah. Courage, Badox. Toujours tes insomnies. Aïe, aïe, aïe. Je demande pas comment ça va. J'imagine. J'imagine que t'es complètement HS. Moi j'ai dormi, tu vois, mais je me suis réveillée, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi alors que j'ai comaté, quoi. Alors j'ai été une vraie tombe cette nuit, mais très vite t'as l'impression d'être aussi crevée que si t'avais pas dormi. Ouais, et puis puis rester des fois dans le lit, c'est pas toujours. Alors des fois vaut mieux, et des fois, bah en fait, ça change rien. C'est gentil d'être venu, ouais. C'est gentil à toi, merci. Ah, j'espère que tu vas réussir à te rendormir un peu quand même. C'est vraiment des petites nuits, hein. Ah bah moi j'adore les jeux de pêche, Jojo, donc je l'attendais depuis longtemps. T'as un bateau amélioré, ton chalutier amélioré et tout. T'as des histoires avec les habitants et tout. Moi j'ai des quêtes à faire, hein, mais c'est juste que y a, comment dire, une bestiole un peu. Un peu violente. Après, t'as l'encyclopédie. Alors, je regarde pas trop l'encyclopédie parce que j'aime bien découvrir, moi, les poissons qui sont en jeu en allant pêcher. J'aime pas qu'on me dise avant. C'est bien, par contre, si à la fin, il t'en manque pas beaucoup. T'as des messages à trouver à la mer avec des histoires. La carte est plutôt grande parce que, par exemple, d'aller de là à là, actuellement, avec mon bateau, bon, à part la suite, j'aurais de meilleurs moteurs. Mais ça me prend une journée, hein. Bon, voilà. J'arrive, il fait largement nuit. Et ouais, du coup, t'as des séries de quêtes. Après, je sais pas si l'histoire est très longue, mais voilà. Et c'est très inspiré Lovecraft, hein. La nuit, disons qu'il y a des poissons contaminés. Moi, il y a un gros poisson qui m'a attaqué. Alors, je sais pas si j'ai raté la quête. Du coup, en fait, je devais emmener une personne à un endroit. Et il y a un poisson qui m'a attaqué, qui l'a fait tomber à l'eau. Et je l'ai plus jamais retrouvé, en fait. Donc, je sais pas si elle est morte, si c'était scripté ou pas. Et puis, tu as des livres. Que tu obtiens à lire, qui augmente certaines compétences, on va dire. T'as plusieurs villes où tu peux prendre ton poisson. Enfin, t'as tout un truc, quoi. Moi, personnellement, j'adore. J'adore, mais après, j'aime beaucoup les jeux de pêche. Ouais, ça va, toi, Apple? Ouais, t'avais des soucis de co. Le boulot, ça va le boulot en ce moment? Weekend, tu bosses pas, hein? Lundi, c'est férié. Et là, bah, peut-être que tu bosses le lundi férié. Faire pas avec les enfants, c'est cool, pack, mais. Dans ton domaine, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, putain, ça fait. J'avais peur que tu me dises.
Ça me dit, t'as dû dépanner quelqu'un. Bon, après, bon. Et la personne vraiment, elle pouvait pas arriver, mais. Ouais, c'est pas simple comme métier. Faire le petit tour derrière, voir si j'ai pas. Je trouve pas des petites choses sympathiques. Enfin, un peu d'amélioration de bateau là. J'ai un peu sur l'histoire principale. Comment dire? Il y a un petit peu une sorte de bestiole serpent dans l'eau qui me défonce ma gueule. On n'y retourne pas pour le moment. Il faudrait d'abord améliorer mes moteurs. Et GG météo un niveau de plus. Pareil, il y a des trucs là, je sais pas comment les avoir. Quoi? Je me suis arrêté avant, je voulais juste regarder. Putain, voilà. Et voilà, ça va me coûter cher. En plus, ça m'a cassé ma canne à pêche. Parce que quand vous prenez un coup, c'est aléatoire, la casse que ça vous casse. Hein. Donc des fois, si vous avez un truc à cet endroit-là, ça vous fait sauter le poisson dans l'eau ou votre truc. J'avançais plus. Il est pas sympa. Il est pas sympa. Macro. Oh, rock. La pingue, j'ai pas. Ah, là. Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas le. Dans mon bateau, il y a une croix, c'est-à-dire que j'ai pas ce qu'il faut pour pêcher. C'est quoi là? Il y a des petits trucs cachés à comprendre, mais bon. La pierre murmure doucement, semblant faire onduler l'air autour d'elle. Des formes évanescentes tendent à sa surface, disparaissant avant que vos yeux puissent se concentrer sur elle. A chaque fois, je peux placer ma main dessus, mais ça fait rien. Ou, je pense que ce sera une autre quête par la suite, ou alors de nuit. Mais non, de nuit, j'avais testé, ça n'avait pas marché. Moi, j'ai vu briller. Ah oui, là, j'ai vu briller. Il ne reste plus rien de ce navire qu'une vieille carcasse vide. Vous approchez encore un peu. À l'intérieur, il y a quoi? Un anneau. Là, des plans. Oh, ça, c'est super important. C'est les pièces de recherche. C'est ça que ça sert des fois de se balader un peu. Il y en a une autre ici. On l'avait loupé. Je trouve il y en a une par île. Dalle de pierre dépasse de l'eau, ornée de symboles grossiers représentant les poissons angulaires à sa base. Une vague forme a été ciselée. Ah, il faut qu'on pêche plein de poissons comme ça et qu'on les mette. On a déjà eu le truc avec les crabes. Bonjour les Minworn. Peux-tu écrire normalement, s'il te plaît, le mini world, et lire les règles de la chaîne, s'il te plaît? On a trouvé un autre mini-jeu. Enfin, un puzzle. L'autre, il nous a donné un truc trop bien. On va essayer de le faire. Ah, Dredge. Dredge, il est sur un stand. Si vous le voulez un peu moins. Il me semble qu'il est dessus. Si, il est dessus, j'ai pris dessus. Il est dessus. Ah, par contre, je vais le voir lui, mais j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas du tout de poisson. C'est dommage, bah, c'est normal, tout travail mérite. Ouh, on a ça, mais ça prend beaucoup de cases. La bille, c'est grand. Faut
mieux un jeu payant qu'un jeu free to play avec une boutique pay to win ou bien des trucs où tout le monde met son pognon dedans. Moi je connais des jeux gratuits, les gens ils mettent 200 euros par mois dedans. Il y a une startup et le jeu il est gratuit. Ouais. Moi je préfère un jeu à ce prix là et voilà. Je préfère carrément ce modèle économique. Encore sur les BR je peux comprendre. Ça me passe, mais sur les autres jeux. Les MMO, l'abonnement, je comprends. Mais alors, sur les jeux classiques. On va faire comme ça. Hein. On va mettre ça là-dedans. Oh, pas là. Je pourrais le faire, mais il me faut 300. Il manque 2. Mais il faut que j'achète les. Faut que j'achète aussi les. Acheter les modes. Pourquoi j'ai ça? Ah, c'est pour améliorer. Coucou Reva, qu'est-ce que moi j'ai avant? Un smogo sauvage à pas. Allez, on m'arrête. Où? Il faut que je répare. Ah, il faut que je répare. Ah. En fait, merci Mami encore hein, pour le DLC. Alors qu'on trouve ça. Ah mais on vend pas d'autres. Donc je vais être obligée d'acheter un peu de petits. En attendant, je vais être obligée de prendre deux petits. Après, c'est qu'au début, j'ai mis des mauvais trucs. J'ai fait des mauvais choix. Genre, il y a des trucs que j'ai revendus, j'aurais dû les juste les désinstaller. Mais bon, ça, c'est normal. Oh, tu connais pas encore trop le jeu. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Donc il me faut des cabillauds. Faire la quête. J'avais l'impression que c'était celui-là. Bio, là-bas il y en a. Est-ce que tu parles avec des primo des prix? On va voir, on va espérer en avoir assez. Coucou Cerbère, comment ça va? Ah, plus tard le minois, de bonne musique. Je sais pas, hein, les gens, si vous laissez allumer le PC, à laisser la petite lurk avec un petit pourcent de son. Ça aide énorme. Pas le PC, n'hésitez pas. Ouais, ça va. On a découvert cette statue, je suis trop contente. J'avais loupé. Voilà, en fait, le but c'est de faire un Tetris, mais ça va, ça me connaît. Ah, une vague arrive en emmenant les poissons. Lorsque l'eau s'éloigne, vous remarquez qu'une chose s'est logée contre la pierre. Moulinet manuel sur lequel est enroulé un tendon élastique. D'une extrémité est greffé à un hameçon en eau grossier. Bien. Bon, la vitesse de pêche elle est moins bonne mais à côté au fond. Je sais pas si je peux la prendre, ouais.
C'est le problème en fait. Ah, je sais quoi, je vais l'acheter. Le problème c'est que tu peux pas la poser à... J'ai un truc épique. Ah, waouh. Oh bien ça. Oh, un voilier, il est énorme. Courage pour le boulot, allez, dernière journée, Elios. Mais. Oh là là, il est énorme. Ah, bon, on va retourner. Après, de nuit, théoriquement. Ah oui, il y a le mérou noir. On trouve de nuit. Il y a des explosifs. Oh, oh, et il y a un spécial là. Oh, oh, j'aime pas trop ce bruit là. Ah, anguille crétée. On l'avait pas celle-là. Oh, oh. Oh, oh, cours. Au secours. Il est derrière nous. Vite, 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 vite. Oh. Il est derrière nous. Il était juste derrière nous. On a échappé belle. Je l'aime pas du tout lui. Un jour on comprendra comment le contrer, mais non. Mais ça a pas marché. Et puis comme il était en train de me chasser, je pouvais pas voir derrière, je pouvais pas. Et la seule fois où j'ai voulu en voir plus sur lui, bah j'ai perdu une quête. Il y a une personne qui tombait à la mer et qui est morte. Alors bon, depuis, j'ose plus trop aller voir. On va vendre ça. Ça va nous faire bien. Il faut qu'on répare. Il faut qu'on achète ça. Alors, attends. Désinstaller. Ah, mais non, je peux... Voilà. Ah, vers la réserve. Non, mais il faut trouver. Est-ce que je pouvais faire ça tout à l'heure? J'ai pas vu. Ah non, mais je peux en avoir un autre comme ça en fait. C'est juste qu'il faut que j'attende une journée. Ah, ça revient, voilà. Si je l'ai jeté, c'est pas très grave. Ok, j'avais peur. Ok. Après, je sais pas si c'est vraiment. Faire dormir mon perso, mais bon. Parce qu'au bout d'un moment, il en peut plus. J'aimerais bien retourner vers l'autre ville, voir ce que le panier à crabe nous a donné. C'était quoi? C'était sud-est. Mais par contre... je suis un peu emmerdée pour les quêtes. Et les dauphins. On peut pas les pêcher. Je sais que certains aimeraient, mais non. Coucou Birbir, comment ça va? Ah ça, je n'ai pas ce qu'il faut pour le pêcher. Je vais vérifier, mais... Ou alors c'est de nuit, non. Il s'afficherait pas. J'ai pas le bon matériel. Un jour... Alors, on est vers où?
On arrive à la bonne zone. Alors ça se voit que je vais un peu plus vite parce que là j'arrive, il est midi. Avant j'arrivais, il était 10h. Ça fait déjà la différence, hein. On va pouvoir aller un peu plus loin. C'est pour ça que je voudrais améliorer mes moteurs. Mais là on est un petit peu bloqué sur. Alors mon panier à crabe rare est là-bas. Besoin d'un café. Des cafés. Cornet de café. Ouf, pas mal, pas mal du tout. Pas mal, pas mal du tout. Ça réparer, donc il a coûté. Après, j'ai jamais cliqué sur tout prendre. Peut-être que ça met bien dans tes cases. J'ai jamais testé. Succès la totale, toutes les cases mises. Je suis un peu emmerdée par rapport aux poissons. Comment on va faire? On va dormir et on va essayer d'y aller, mais comment dire? Il y a vraiment un gros truc là-bas qui me fait peur. Mais il faut que j'y aille pour aller chercher des affaires en fait. Les gens m'ont demandé d'aller chercher des trucs pour eux. Ah ouais, putain, la différence. Ah, je vous jure, je le sens. Et merci pour le follow, Mystique, bienvenue à toi. Ah, c'est quand même beaucoup plus agréable. Les trois moteurs là, ça fait le café, hein. Débris brûlant dans les interstices entre les pierres. Vous apercevez ce qui semble être de grandes dents blanches. Comment je vais faire? Je vais d'abord la surface, on ira le lendemain voir la bébête. Tournez la voir, elle me fait peur. Et si on lui fait des bisous, câlin. Elle veut peut-être un peu d'amour. Ouais, on peut pas la voir comme ça. Mimi, comment ça va? Ouais, pardon. Place. Pas prévu pour. Le fail. Dans Sorcerer's Rage, moi je flippe par moment. Je verrai ma liste. Ah ouais, du coup tu t'occupes, ouais. N'hésite pas à faire une sieste, hein, dans la liste. La vache.
Et deck flottant. C'est bon, ça c'est bon. Y a pas besoin de tout ça, ok. Ah t'as quoi en phobie? Enfin discret. Je savais pas que t'avais une phobie. Rapport. Ah c'est... J'ai un poisson qui m'a foutu en l'air une quête et j'ai peur que c'était pas scénarisé et que... j'ai loupé un truc important du coup. Mais bon, en cabine j'ai un truc. Bon bah on va retourner voir la bébête. Je sais même pas ce qu'on doit faire hein. On essaie de trouver. Ah, c'est vrai que Raft, moi c'était le requin. C'est pour ça que j'ai pas pu finir. J'adorais le jeu, hein, mais. Il me fallait que des compos qui étaient sous l'eau et. J'arrivais à le tuer sur terre, mais le problème c'est qu'il réapparaissait trop vite. Donc j'avais pas le temps d'aller. Hein. C'est horrible, quoi. J'adore les requins, mais dans les jeux où on peut se défendre. Je crois que c'est ça qu'il faut, mais il y a le méchant qui arrive. Je crois qu'il faut réussir à l'avoir et prier. Pareil. J'espère. Il plus rien. Ah non, il revient. Je sais pas. Dans le doute, on va ramener d'abord ça. J'ai réussi à l'avoir. Quand même casser pas mal mon bateau. Obligé de te le prendre en fait. J'ai pas peur de toi. C'est pas vrai. J'ai presque pas peur de toi. Oh le bruit qu'il fait. Oh il fait déjà nuit. Non il arrive. On se casse en fait. Je me disais mais pourquoi? Oh putain mais il est immense. Mais c'est pas un... C'est pas ça que je dois pêcher pour une quête. Vas-y là, il ressemble au poisson légendaire qu'il me faut et il ressemble à un Regaltech là. Comment ça s'appelle? Un Regaltech. Ah bah c'est un méchant mon lui. Merci pour le follow, bienvenue à toi. J'ai le bâton en feu. Oh j'ai même pété un moteur. Ah non mais lui je pense que t'es obligé de te le prendre, normalement par la suite il y a un truc, on verra bien. Hein. Yeah. Oh putain. Ah le pire c'est qu'une fois j'ai un poisson, il m'a pété mes phares, hein, en pleine nuit. Oh l'angoisse. Parce que déjà tu vois rien. Ça je l'ai fait cette pierre, elle est géniale. Elle. Et en plus j'avais un poisson derrière moi, un gros méchant. Après il est pas horreur le jeu mais il y a quand même comme c'est inspiré Lovecraft il y a quand même des fois t'as un peu les pépettes hein. Ah. Ouais putain en plus ils mettent des tornades pour m'aider. Une fois j'ai la première fois que j'ai vu les tornades j'ai voulu tester, je suis allé dedans, bon ça vous fait du dégât. Mais ça m'a fait découvrir un poisson, ça m'a mis il y avait un poisson dans la tornade, ça me l'a mis dans mes poches. Et comme je l'avais pas découvert... Hein. J'ai fait d'accord, c'est cool. Coucou, bienvenue à toi. Ah ici c'est les chocobos pour les chaquettes. Quoi? Comment ça tu m'éteins la lumière là? T'as pas la lumière comme ça. Ah ouais non mais je comprends avec t'as la phobie ouais. C'est pour ça qu'à améliorer le bateau c'est pas trop. Ah non mais j'ai pas de poisson. Par contre tu veux bien réparer mon bateau que ça me enfin, 120 mais j'ai pas 120. On peut pas réparer une partie. Entre en mode réparation.
on peut réparer ce qu'on veut. Bon, va falloir aller chercher des sous pour réparer maintenant. Ah bah bravo. Et chaque quête, c'est comme les Claudettes. Tu vois, je danse et je chante. GG Badox, un niveau de plus. Mais bon, les chaquettes, elles se barrent en courant quand je chante et je danse. Elles sont pas folles, hein. On va vendre. J'aime trop ce panier à crabe. Tu le mets à côté de ton truc de vente et voilà, tu as besoin de petits sous rapidement. C'est pas mal, c'est pas mal. Marché aux poissons. C'est de l'argent, on va dire. Ça aura pas des milliers des cents, mais un petit peu d'argent tranquille. Oh. Mais par contre, c'est vrai que tu choisis tout ce que tu. Comment tu mets sur. On peut pas prendre de dégâts ici. Tu choisis tout ce que tu mets, s'installe et tout, c'est vraiment cool en vrai. Bon, au début, tu fais un peu de la merde parce que tu comprends. J'ai pas vu que je devais rapporter ça là. C'est qui m'a demandé le blason hein? C'est l'ermite. Tiens. Oh, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu sais comment je peux dégager les débris par ici? J'ai sûrement besoin d'explosifs pour dégager ces pierres. Mon frère et Armand Fanon ont fabriqué. Pour la chasse à la baleine, vous savez, c'était pas très beau. Mais maintenant que les baleines ont disparu, j'imagine qu'ils n'exercent plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? C'est ça le blason de votre famille? Vous l'avez trouvé? Je n'aurais jamais cru revoir cette merveille un jour. Et maintenant j'ai une autre faveur à vous demander. Vous pourriez apporter ça chez mon frère, Armand Fanon? Dites-lui que son frère est désolé et qu'il aimerait rentrer à la maison. Toujours en train de rabibocher les gens là. Heureusement que Armand Fanon c'est juste là. Hein. Coucou Mallory, comment ça va? Ah mais il est cool. Après bon, faut aimer un peu les jeux de pêche comme ça. Quoi. Enfin je pense. Que puis-je pour vous? Je crois que c'est... Ah, on m'a dit que vous fabriquiez des explosifs. Oui c'est vrai, parfois il fallait bien casser les carcasses. Ce n'était ni le moyen le plus efficace ni le plus agréable, mais ça faisait l'affaire. Je songe à m'y remettre, je pourrais peut-être fabriquer quelque chose d'assez puissant pour dégager les piles de débris dans les falaises. Ah mais je n'en suis pas sûr, je n'ai pas beaucoup de courage ces temps-ci. Ah, ça me serait bien utile. D'accord, je vais réfléchir, mais je peux rien vous promettre. Je crois que ce blason est à vous. Bon sang, ça fait un bail que j'avais pas vu. Alors il l'avait bien pris, je le savais. Votre frère est désolé. Vous accepterez qu'il revienne? Je sais pas, j'étais très énervé quand il est parti. Bon, très bien, il peut s'installer dans mon ancien atelier. Pour l'instant, du moins. Il me faut un peu de temps pour le vider. Pour l'instant, vous pourriez peut-être me rendre un service. Vous voyez, j'essaie de dégager les débris sur les chemins à travers les falaises pour... faire un raccourci avec des explosifs. J'ai réussi à placer une charge, mais les falaises paraissent très instables ces temps-ci, alors je n'ai pas osé le faire sauter. Vous devez aller à l'intérieur et la déclencher. Ce n'est pas très loin, j'ai laissé des drapeaux jaunes à côté. Ah, on les a vus. On les a déjà vus, ils sont juste là-bas. T'as fait tout ça déjà, Mimi, ou pas encore? Un peu plus. On va tout faire péter. On n'a pas les explosifs, mais d'accord. Je vais faire coucou. Il faut peut-être faire un coup de brume. C'est quoi ça? J'aime pas quand c'est rouge comme ça. Ah, mais je suis... C'est le poisson. Une longue mèche dépasse d'un des côtés. Ça doit être le lieu que le baleinier veut dégager. Oui, on allume la mèche. Les débris s'écroulent. Vous devriez peut-être prévenir le baleinier. Il m'a encore touché, hein, ce saligo, là. Putain, il est partout. Il va me coûter cher en réparation. Mais je crois que c'est lui que je dois pêcher. Honnêtement, je pense. Hein. Quête.
Je suis sûr que c'est le Regalek. Il ressemble vraiment à un Regalek. Trouvez pas? Les Regalek, c'est long comme des anguilles, mais c'est pas des anguilles. Hein. Mais c'est plus grand encore. Bah, ça me fait un peu. C'est ça, le Regalek, il me semble. Ils sont très très grands. Je sais plus c'est quoi la taille max, mais. Sacrée taille. Ouais, t'as fait en plusieurs fois. Voilà, ça va, j'ai les nouveaux moteurs, ça va plus vite, mais la première fois, comme j'avais un tout petit moteur qui allait pas très vite, bah il me défonçait quoi. Vous avez réussi! On a entendu la détonation, pardon, d'ici. Ça a drôlement résonné. Je suis étonné que les falaises ne se soient pas effondrées sur votre tête. Tout est prêt ici. Allez dire à mon frère qu'il peut revenir. Ah, un sac avec les bestioles comme ça. Bon, par contre, je pense qu'il y en aura d'autres, même, hein. À part toi. À mon avis, si c'est vraiment lui, le légendaire, le poisson rare. Ça veut dire qu'il y en aura. Les autres, ils vont être gros comme ça aussi. Mais je pense qu'il va falloir que je casse des trucs à chaque fois. Je crois qu'après, il va en vendre et on va devoir casser. Ah, il va falloir des explosifs sur nous. Votre frère vous pardonne, il vous a trouvé un endroit où vivre. C'est vrai, ça m'enlève un gros poids des épaules. Un poids tellement vieux que je l'avais presque oublié. Bien, je suis prêt à partir. Vous voyez, c'est comme ça, vous l'emmenez. Et moi, j'avais un perso comme ça que j'emmenais et il est tombé à l'eau, alors je sais pas. Je sais pas si j'ai cassé ma quête. Et du coup, mon 100%. Bah, moi, c'est ce que je voulais faire. Et puis, il y a eu la nuit. Et j'ai flippé, j'ai fait. On va rester dans le coin là. C'est pas mal, on est bien, il y a de la lumière. Il y a du poisson. Eh bien, ça y est. L'ermite aperçoit le vieux baleinier qui l'attend sur le quai. Petit frère, tu es rentré. Pardonne-moi, j'ai été idiot. Et moi donc, allez, viens, je vais prendre tes bagages. Les deux frères s'éloignent ensemble. L'un d'eux s'arrête un moment pour se retourner vers vous. Hé, étranger, si vous trouvez d'autres débris à dégager, je prévois de fabriquer d'autres packs d'explosifs. Passez par le vieux port baleinier quand vous voulez. Ah, bah voilà! Tenez, cadeau de la maison pour votre aide. Dent de cachalot creusé et rempli d'une substance poudreuse. Merde, il m'a cassé mon truc, lui. On va tout faire péter, on va tout faire péter, péter. On achète d'avance, comme ça je les ai. Voilà. Voilà, maintenant je suis pauvre. J'ai même pas de quoi faire réparer. Ah bah si, on va avoir des crabes. Je vais mettre ça dans ma réserve. Ah merde, il y avait la réserve là, je crois. On va vendre des crabes pour pouvoir réparer. Ouais, on aurait dû le jeter à la mer. Quoique, moi, celle qui est tombée à l'eau la dernière fois, comment dire. Hein. Le poisson, il était encore après moi. Hein. Il avait pas assez mangé. Hein. Il a continué de me chasser. Hein. C'était pas suffisant. Crabe maillot. Ah ouais, tu veux un petit crabe? J'ai des crabes décorateurs ou des crabes. C'est quoi les autres? Crabe rouge, classique. Je peux même pas prendre ça pour le réparer parce qu'il est énorme par contre. Place. Donc ça se mange. Ah oh bah oui hein. Bonjour hein. Non, c'est pas ça. Ah, je sais pas, je me trompe. Voilà. On est bien. Je voudrais juste faire péter le... Là-bas, voir. Là-bas, il y a un truc à faire péter. Ah, j'ai pas pris de dégâts. Ça va, on prend pas de dégâts alors que c'est juste à côté de nous.
Ça va la mini-jeu au fait, Mamie, tu arrives ou t'as utilisé l'autre version dans le menu? Tu sais que des fois sur les jeux. Ah! Mais c'est ça, c'est la boîte à musique, elle était ici! Pour le collectionneur! Oh, j'ai eu un effet, j'étais en mode. Ah! Je suis bloqué! Coucou Helsing! Comme ça va? Pas pouvoir le. Faut que je le mette dans ma réserve. Ah, y'a une option pour ceux qui arrivent pas à les mini-jeux. Par contre, ils sont plus longs en échange, tu vois. C'est pas genre. C'est pour éviter que les flemmards, tu vois. Ils cochent alors qu'ils y arrivent. J'ai pas touché, hein. J'arrive les mini-jeux. Mais c'est vrai que si t'as un handicap ou quoi qui fait que. Ou que t'y arrives tout simplement pas parce que c'est trop rapide. Ça peut être pas mal. On va mettre ça dans la réserve, normalement j'ai la réserve qui va partout. Merde, je vais mettre ça dans la réserve. Va falloir qu'on retourne à l'autre ville pour vendre nos butins. Et amener ça au collectionneur. Et je voudrais réparer d'abord le... Et le remettre. À moins que je le range. Ah, mais y a pas la place. Oh, ça va, il prend moins de place que je pensais en fait. Il rentre dans ma réserve. On va peut-être changer de zone. Quoique j'aimerais bien faire le tour ici avec les explosifs. Je vais faire un petit tour. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à faire péter ici. On va essayer de faire juste un petit tour voir. Ah mais j'ai pas pris d'explosifs. J'ai oublié. C'est vrai qu'il y avait... Ah si, à la première ville, il y avait un truc à faire péter avec les explosifs, je crois. Ah là, déjà, il y a un truc. Et de l'autre côté, il y en a un autre encore. C'est pour faire des raccourcis. Combien d'argent? Ah, je sais pas pouvoir... Il va falloir que j'en prenne un instant. Et merci du terre pour le follow, bienvenue à toi. Oyaski. Panda. Ça va coûter cher les explosifs en vrai. En vrai. Ça c'est super rare. Le premier qu'on ait eu comme ça on avait dû l'acheter combien, 500 balles non, 300 balles pour améliorer notre bateau Le problème c'est que là il y a le méchant poisson donc.
C'est le problème. Là-bas, il y a un... Moi, j'ai plus d'explosifs, mais bon. Je les raconte. Je pense que ça peut être pas mal pour sauver aussi les exp... enfin, les raccourcis. Ah, là-bas on a un poisson. Ah. Il a disparu. On l'avait fait ça? Ah oui, ça on l'avait fait. Ou des sous donc. Ah, je l'avais pas le congre. Par contre, il a une. Il a une forme un peu chiante, on va dire. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait du congre? Putain! Le congré hérisson. Il n'y avait pas une quête de faire du coup. Je suis en train de me dire. Quête du congre. Un congre pourri, une habitante de morte fanon. Ah, du pourri en plus. Ah, c'est parfait. Ah, tu me rends pas compte. Oh non, 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 non. L'inventaire, ouais, c'est la Tarkov. Tetris Party. Mais j'aime bien, moi, justement. Mais là, c'est une forme que j'ai pas l'habitude de travailler avec. Oh oh, il y a un œil là. Enfin non, c'est là. C'est mon perso qui panique, il voit des nenouilles. Qui c'est qui voulait du congre? J'avais complètement oublié ça. C'est pas toi qui voulais du congre? Ah si. Oh, mais pas pour une exclamation. J'ai un congre. C'est bien un congre, mais il n'est pas assez vieilli. Si je le prends maintenant, le chien va le voler avant qu'il soit prêt. Revenez quand il aura un peu mûri. Ah, faut qu'il pourrisse. Je sais pas lequel, le monstre ou l'autre. Bon, dans le doute, tant pis. Est-ce que c'est bon, il est assez ou pas? On a encore. Et comment? Avarié. Avarié. C'est bon, ça varié. Pas encore assez. C'est bon, j'ai un congre. Ah. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux vous donner une petite somme pour vous remercier. Bon voyage. Bon du coup c'était lequel qui a voulu? Il est complètement pourri, mais c'était pas celui-là. Après, je peux le jeter, à mon avis. En fait, pas me le prendre. Du coup, on fait dodo. Et on doit aller. À l'île des pierres noires.
Ramener la boîte à musique. On va y aller de jour. C'est un peu mieux quand même de jour. Et après, je sais pas ce qu'on a. On a tellement de choses. On a les reliques en rose, donc j'imagine que c'est important. Ouais, ou alors il faut aller chercher dans l'encyclopédie, mais comme je disais, j'aime pas trop fouiller dedans. Peut-être à la fin, on les fera. On va voir. Petite balade en mer. Bon, faudrait que je m'éloigne un peu, qu'on aille pêcher plus loin. Visiter. Ça, faut que je mette des expos aussi. J'en ai plus. Après, ça prend de la place, les explosifs, et si on se fait attaquer, on les perd, donc c'est un peu. Ah oui, non, c'est ce que je l'ai pas sur moi. Je prenne. C'est pour ça qu'il. Je me disais, mais merde, pourquoi il me dit pas. Ah, je suis trop content. Ouais, parce que le problème du bouquin, c'est que ça te. Ça te donne. Enfin, ça te spoil toutes les espèces, quoi. Des fois, je l'ouvre juste pour enlever le point d'exclamation, mais c'est tout. Vous êtes de retour, je n'étais pas sûr que vous reviendriez. Vous traînez la grosse boîte à musique dans la pièce, pesant les planches en bois sous son poids. Le collectionneur ne paraît pas se formaliser. Il est fasciné par la boîte. Vous avez trouvé ça dans les falaises, pas vrai? Oui. Excellent. Vos futurs voyages devraient être un peu plus rapides, si vous permettez. Choisis un des rubans argentés qui pendent de son livre pourpre et ouvre celui ici à une page que vous ne distinguez pas. Se tournant pour profiter du rayon de lumière, il lit la page en murmurant. Au bout de quelques secondes, vous ressentez une douleur au ventre, comme si une vague vous avait heurté. L'homme referme le livre et vous observe. Oh, il m'a donné une capacité pour me téléporter directement ici. Bien, il y a d'autres reliques à trouver. Continuez vos recherches. Le récif du bassin des astres peut avoir piégé et accumulé des épaves. Fouillez dans cette zone. Bassin des astres. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer votre recherche. Alors... Pourquoi ne pas chercher ces reliques vous-même? Si on ne souhaite plus coopérer. Étant donné que la mer est dangereuse pour moi, vous serez mon bras droit. Faites-vous de ces reliques? Je les collectionne, bien sûr. C'est un investissement pour l'avenir. Le livre renferme le pouvoir des profondeurs. Je vous ai en quelque sorte transmis ces pouvoirs. Et manifeste. L'utilisation de ces mots génère une transe. Dans cet état, le temps file. Quand ce sera terminé, vous vous retrouverez ici. Comme toujours, je vous déconseille de trop l'utiliser. Mieux vaut y faire appel quand vous en avez le plus besoin. Il est louche. Il est très louche. Faut qu'on aille là-bas. Ah. Ouais, c'était à Pointe d'Acier que j'avais foiré la quête. Je crois que c'était là-bas. De toute façon, à un moment donné, il faudra que je fasse tout, refasse tout le tour avec des... Des explosifs, je vais arriver. Mais bon.
aura peut-être un peu plus de place. Ah, il y a un bateau échoué là. Ah, j'ai pas vendu les trucs. Combien pas vendu les bijoux. J'ai oublié. Waouh, y a des palmiers. J'ai pas ce qu'il faut pour encore. Ah, je pourrais l'acheter ce qu'il faut, mais je démonte un autre truc que j'ai besoin aussi. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a des petits trucs cachés en plus à trouver. Alors... Poulpe rouge là. On a vu, c'est pas très gentil. On a vu, faut pas aller dessus. Waouh, par contre c'est beau ce coin là. Oh, une bouteille à la mer. Septembre 1927. Ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit. J'ai des frissons et j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé. Quoi que je fasse, je ne parviens pas à me réchauffer. La majorité de ce qu'ils ont récupéré était des débris, ils ont fini par sortir un gros coffre en bois. L'équipage s'est tu devant cette découverte fascinante. Je me souviens des instants qui ont suivi avec une netteté douloureuse. Il l'a ouvert facilement. Les planches déformées ont craqué et grogné de soulagement en explosant. Un tissu pourpre a glissé sur le pont. Les vagues se sont abattues dans un vacarme assourdissant. Je les entends encore. Il a jeté un œil dans le coffre ouvert puis s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu que le néant. Fovia, ça va bien et toi? Je peux pas pêcher là? Ah si. Ah mais j'ai pas les trucs. C'est trop beau mais je sens que je vais me faire attaquer. Il y a une ville là-bas. Je crois qu'il y a... Oh oh oh, oh. C'est quoi en dessous? Ah! Non mais j'en étais sûre! C'est un poisson en dessous! Il est énorme! Ah non, c'est pas le moment de me lâcher. Ah! Il est énorme! J'étais en train de me dire, attends, il y a des algues en bas! Non, c'est pas des algues! C'est un morceau de poisson! On va aller en ville, hein. Ah, il a l'air beau, hein, mais il est encore plus grand que l'autre. Le collectionneur, il nous envoie toujours sur des trucs assez horribles. On n'a rien pour réparer ici. Oh mon dieu, quoi. Une ville, on peut pas réparer. Oh bonjour, je m'attendais pas à avoir des visiteurs. Qui es-tu? Un pêcheur. Ah oui, ça se voit un peu. Mais que fait un pêcheur ici? C'est bizarre. Eh bien, ravi de faire ta connaissance. Ça faisait des mois que je n'avais vu personne. À vrai dire, j'aurais bien besoin de ton aide si tu as un peu de temps. Je ne veux pas m'occuper de la bestiole là-bas. Tu te démerdes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'aide pour collecter des échantillons à étudier. Au départ, j'ai été posté au centre de recherche à l'intérieur du bassin. Mais on m'a attaqué. Ah bah, bienvenue au club. Hein. Une énorme créature a surgi des profondeurs et détruit le centre. Maintenant, elle se repose au milieu du bassin. Ouais, on a vu. T'aurais pas pu me le dire avant. Je me suis enfui. Depuis, je me débrouille comme je peux. J'ai dû abandonner la majeure partie de mon matériel et d'arrêter mes recherches.
Oh putain. Jette un œil à la liste d'espèces humaines qu'il me faut. Et déposez-les ici. Tu devrais peut-être tester différentes stratégies de pêche pour toutes les récupérer. Celle-là, je crois que... Ah non, c'est calamar, ici. Côte-côte au fond. J'ai côte et au fond, donc ça va. Au moins, là-dessus, j'ai le bon truc. Alors... As-tu remarqué d'autres choses inhabituelles depuis ton arrivée? Maintenant que tu le mentionnes, j'ai été tellement préoccupé par l'attaque et le besoin de tout reconstruire ici que j'avais presque oublié. J'ai trouvé ces lettres, elles sont de ma sœur. Elle me les a envoyées pendant mes études, avant qu'elle... La chercheuse se tait un moment et détourne les yeux. Enfin, je les ai retrouvées régulièrement au milieu de mes papiers. Je ne me souviens pas de les avoir emportées, mais j'ai dû le faire. J'ai commencé à les trouver de plus en plus souvent. Elles apparaissaient dans mes filets de collecte, dans mes tubes à essai. C'était des lettres que je n'avais jamais vues, mais c'était bien son écriture. C'était bien elle. Elles évoquaient des choses qui étaient arrivées après sa mort. Je ne sais pas comment l'expliquer. Étrange. Quelle sorte de créature t'a attaqué? J'ai l'impression que la créature a attaqué le centre de recherche et pas moi spécifiquement. Je pense qu'elle a été gênée par mon matériel de surveillance. Il y avait des dizaines de machines en fonctionnement là-bas. Toutes alimentées par un générateur bruyant. Ah, c'est le bruit de mes moteurs qu'elle aime pas la bestiole. Elle était énorme, plus grosse que toutes les espèces marines que j'ai étudiées. Elle attaquait avec des tentacules, alors je pense à une sorte de pieuvre ou de calmar, ou une anémone de mer. Un de mes navires de recherche était amarré à l'arrière de la station, ce qui m'a permis de m'échapper pendant que la créature déchiquetait la partie avant. Il y avait beaucoup de données importantes et du matériel, mais pas question d'y retourner, je peux pas. Je veux pas revoir ce monstre. Parle-moi de toi. D'accord, je crois pas avoir grand chose à dire. J'étudiais la biologie à l'université d'Avrefer. Ça n'a pas été facile. Il n'y avait aucune autre étudiante dans cette branche cette année-là, ni celle d'avant encore. Difficile de ne pas se sentir à l'écart dans un environnement comme ça, tu vois. Enfin, tu ne vois probablement pas. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai réussi à me faire embaucher par la Société de Recherche Biologique du Nord, et on m'a affectée ici, toute seule. Je pensais apprécier la tranquillité, mais les gens me manquent. J'ai toujours eu de la compagnie, ne serait-ce que celle d'un animal, mais ici, il n'y a que des machines. Ah, pas de chance. Bon, on va faire passer la nuit, hein. Mais par contre, j'ai rien pour réparer. C'est bien ton truc de recherche, mais on peut pas réparer. Au pire, je peux me téléporter en cas de coup dur, mais... Hein. Encore une bouteille, là. Alors, message. 6 mars 1927. Ah, c'est quand ils se sont fiancés. Nous sommes fiancés. Il nous a amenés tous tout au centre du bassin des astres pour voir les lumières. On a discuté pendant des heures, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, rempli d'attente et d'espoir. Peu après minuit, alors qu'on divaguait et on délirait à cause d'un manque de sommeil, l'aurore est apparue au-dessus de nous. En me retournant pour voir sa réaction, j'ai vu qu'il avait déjà un genou à terre. Je ne me souviens pas de ses mots ni des miens, mais je sais que j'ai dit oui. La bague est splendide, avec des pierres sur le pourtour. Je n'arrête pas de l'admirer. Franchement, je me demande ce qui leur est arrivé. Parce que je pense qu'après, il y a eu des... Ce qu'on avait lu, ça avait l'air de commencer à partir en cacahuète. C'est quoi ça? C'est un barracuda. Avec mon bateau cassé, je vais pas pouvoir en mettre beaucoup, hein. Je vais voir si j'avais une grande taille. Je peux même pas vendre rien, quoi. Y'a vraiment aucune ville là-dedans, quoi. Forteresse. Ah là, il y a un truc tout en or. Ah là-bas, il y a peut-être des vendeurs parce que là, ça fait loin après pour faire les allers-retours. Avant que c'est voulu par le jeu, hein, mais... Un peu chaud, quoi. Ah si, notre vendeuse préférée. J'ai pas hâte de retourner au centre. Oh. Parfait. Ah, tu nous avais manqué, hein. On a pété le bateau comme jamais. Voilà. Pour réparer. Oh là là là. Oh,
T'as des meilleurs phares. 315. Portée 30 mètres. Et ils sont plus forts. Parfait. Installe-moi ça là. On en a besoin. Comment dire, on en a besoin. Oh là là là. Bon, pour le reste, on va garder ça. Alors, on va faire de la pêche dans le coin. Encore des barracudas. On n'a pas les grandes tailles après, faut. Et en pêcher, tu. Merde, je vais trop vite. En vrai, si je mets comme ça, j'en mets plus. Il n'y a pas des. Il n'y a pas un grande taille. Une boule jaune pour avoir une grande taille, mais je vois pas de boule jaune. Ah, c'est nouveau pour la chercheuse. Camar, lui seul, il est trop mignon. On va acheter un barracuda. Il est trop beau le calamar, lui seul. Même la nuit, l'ambiance, tu le son et tout dans le jeu. Oh là là. Ah, j'imagine que ça va pas être très simple, ouais, mais... Ah bah là, la bestiole, fou. Ici. Hein. D'abord que j'aille donner. Après, théoriquement, si je reste sur le bord, là, elle devrait pas m'attaquer. C'est elle est vraiment au centre. Par contre, j'aime beaucoup cet endroit, c'est vraiment très beau. Après, je sais pas si elle est là la journée, mais je pense que oui. L'autre, elle était là la journée aussi. Ah, la marmotte est partie. Yeah! Tranquille. Oui, Ultra C6, comment qu'il y aura? Ah, tiens, petit calamar tout mignon. Et il faut encore les autres. Ça va, c'est qu'on n'a pas besoin de les donner en même temps. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. J'aime pas ce son. Je suis pas là. Oh, c'est une tornade. Elle est pas comme les autres. Un marteau, mais à mon avis, il va me prendre trop de place. Et ouais, qu'est-ce que je disais? Non, mais vous êtes sérieux là? Je suis en train de pêcher! Je l'ai découvert, mais je vais pas pouvoir le vendre. Non, mais je suis en train de pêcher! Ah non, pas, pas eux! Alors eux. Attends, peut-être ça. Non, ils vont piquer un canard dans le ciel. Allez-vous-en. Je déteste cela. Je les déteste. Chaque fois, ils me piquent de la bouffe.
Ah, j'ai pas mis mon panier à crabe. Ah, mais je l'ai pas sur moi. Faut que je le prenne. Ah, bah, je l'ai amélioré aujourd'hui, hein. J'avais moins de place avant. Oh non, il y a quelque chose en... Ah oui, on avait dit! On voulait voir un truc. On voulait voir un truc. Je voulais voir ce que ça faisait une fois qu'il était infecté. On va découvrir. C'est ça que je voulais. Quoique si, il faut aussi. Ah, mais j'ai pas encore les sous. En fait, ça commence à revenir cher la réparation. Hein. On s'en sort pas, hein. Mais ouais, faudrait que je fasse tout ça pour après faire encore un navire plus grand. Mais là, j'aurais 4 cases en plus, mais il me faut 300 balles, en fait. Là, c'est pour avoir un truc de moteur en plus. Là, c'est pour avoir 3 cases de ça en plus. Mais ouais, mais c'est dur la vie de pêcheur. C'est pas de tout repos, hein, putain. J'ai pas été voir en haut, au milieu, s'il était de nouveau là. S'il est encore là. J'ai oublié de prendre le filet de crabe, faut qu'on mette un filet de crabe, ça va me faire des petits sous par cuit. Des petits sous en plus si jamais il y a des crabes différents ici. Bah, je sais pas si c'est un kraken, mais ça y ressemble. En vrai, je pourrais revendre ça. En vrai, on peut pas revendre des trucs à hasard. Ah, il me faut des trucs comme ça. Ah bah parfait, j'en ai. Faut 100. Il me faut 100 balles. Alors. Wolvie boy, comment ça va? Ah, ça c'est un poisson qu'on n'a pas. Bon, ça j'étais pas dedans. Un mérou rouge. Oh, il rentre là-dedans. Un mérou déchiqueté. Il est pas beau le déchiqueté, hein. Non mais c'est dangereux le voyage en mer, hein. C'est vraiment dangereux. Par contre ça rapporte 149. Je vais pouvoir Et ça y est, hein. On commence... Non c'est pas ça. On commence à se refaire. Va falloir qu'on aille chercher du bois et du métal. Et après, il va falloir d'autres choses. Elle vend quoi, elle, actuellement? J'ai pas regardé dans son truc. Elle vend ça. 450. Ah, mais elle vend des explosifs, si on a besoin. Et ça, c'est génial. Ah, mais je pourrais mettre deux cannes à pêche comme ça. Mais en vrai, il me faudrait ça, mais je suis emmerdée. Ah mais ça peut se mettre à droite. Oh, j'ai une idée. Mais genre, attends, ça fait quoi? Au côté, au fond. Par contre ça c'est plus lent. Mais si ça... désinstalle.
Merde, j'ai fait vente au lieu de désinstaller. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. C'est ça, je le mets là. Et hein, j'ai fait une connerie. En plus, tu peux pas racheter quand tu t'as pas le truc racheté. Ça, je le mets là. Ça fait que je peux faire côte au fond océan. C'est juste que bah du coup c'est que 6% de vitesse de pêche, mais c'est pas très grave. Et je peux mettre ça pour les côtes. Ah, celui-là il allait déjà côte, mais je sais pas. On verra si c'est. Ah, capacité débloquée. Ouais, et bien un nouveau truc. Après ça augmente ça, c'est. Pas le même cote. Ok. Ok, donc il y a cote pour type d'affaires et cote pour. Ok. Génial. Bon, j'ai vendu ma pêche pour rien. Par contre, je peux remettre ça pour faire du haut fond. Et voilà. Et ça, c'est un équipement. Ça, c'est pas de l'équipement de pêche. On est de nouveau pauvre, mais c'est pas. Ça valait le coup. On va pouvoir pêcher des trucs qu'on pouvait pas pêcher. Et oui. On a des crabes. Oh, crabe bleu. Je connaissais pas. Bon. C'est parti. Sélectionnez le chalut avec eux et abaissez-le. Ce filet piège des choses quand vous avancez, mais doit être réparé. Ah, cool. Ah, c'est trop cool. Tu l'as fait celui-là, mamie. Ah, vive Anneau Rouge. Et après, je récupère comment? Ça se met directement là-dedans. Ah, ça se met dans le filet. Trop bien. Ah, mais c'est trop bien ce truc. Ah, j'ai bien fait de... Bon, même si j'ai vendu sans faire exprès un truc. Que j'aille vendre toutes mes babioles. Faut que la prochaine fois que j'aille voir le collectionneur, j'en ai un paquet. Hein. Mais à chaque fois, j'oublie d'aller à la ville à côté. Des planches, il nous en faut. Aïe, je voulais pas taper. Oh, mais c'est excellent. Ouais, j'ai pas osé le prendre avant parce que j'avais pas la place. Enfin, je voulais garder l'autre truc. Mais là, ça y est. Je commence à avoir un navire. Puis je commence un peu mieux à comprendre aussi le truc. On est pas. Ah si, c'est les barraques. Hein. Est-ce que ça laisse le chalut tant que, ouais, tant qu'il est mis Mais eux, je peux pas. Il y a encore marqué que je peux pas les faire. Je pensais que c'était avec ce filet là, mais en fait, non. En fait, c'est génial, c'est que tu peux faire un. Tu peux faire du poisson maintenant, même si. J'aimerais bien voir si on peut faire péter ça. Un truc ce truc. Peut-être qu'on peut le faire exploser. C'est vraiment génial, hein. Méduse de l'aurore. Ah, il me le faut pour la chercheuse. Explose en même temps. Ouais.
Ouais, bah carrément, c'est ça, ouais. C'est que toi, tu. Des fois, quand tu vas chercher des planches et tout, bah tu peux pas ramener de poisson. Et là, tu peux dire, bah. Cool. Ah, avance. Par contre, ces trucs-là, ils restent pas tout le temps. Des fois, elle en a et après, plus rien. Par contre, c'est un vrai bordel. Faut que je re-range, du coup. Par de là. Je sais pas s'il peut continuer de s'infecter. Faire un test. Je suis en train de faire un test avec ce truc. Ah, c'est mieux quand c'est rangé. Hein. J'aime pas quand c'est désordonné. Côté monk. Et ouais, c'est sympa d'avoir la possibilité d'avoir des petits poissons en plus comme ça. Puis ça va, c'est pas pété parce que ça se fait petit à petit. Tu vois, j'en ai fait que 3 depuis tout à l'heure en une journée donc. Après, j'imagine que si t'améliores ton équipement, peut-être t'en as plus. Ouais, j'ai posé des trucs dans l'eau, j'en avais 10 quoi. Ça, c'est cool. J'ai pu à choper son. Alors, par contre, comment je fais? Comment on fait pour mettre dedans? Peut-être que je peux le rendre comme ça. Ah, je peux dire. Il manque la pieuvre phosphorescente au fond. Ah, pêche, ok. Alors je voulais aller voir. Ah oui, le truc explosif. Pourquoi il y a des canons à son truc? C'est où? Laisse-moi tranquille. Je recherche, mais de nuit, c'est pas simple. Plus c'était sur quelle côte, il me semble que c'était celle-là, mais on est où? On est revenu là. On est revenu ici. Filet, y a rien. Je peux pas lui vendre ce qui est dans mon filet? J'ai perdu mes poissons? Ils sont pourris? C'est passé quoi? Pourquoi j'ai perdu tous mes poissons? Ah. Ah, ça a vendu la cale en même temps? Ok. Je croyais que c'était séparé. C'est genre qu'il fallait que j'aille après sur la cale faire tout. Ok, merci mamie. Tant pour moi. J'ai. J'avais pas compris ça comme ça. On en est où du top flottant? Oh, des.
J'ai l'impression qu'il peut pas continuer tant qu'il est là-dedans. On va le prendre avec nous. J'ai envie de voir ce que ça fait. Ça se trouve, ça va faire un truc horrible et je vais le regretter, mais... J'ai toujours jeté ce qui était infecté. Ah, mais peut-être que ça va... Ça a rien passé. Eh, mais ils m'ont fait sauter mon truc. Je crois que les trucs infectés ils attirent les trucs comme ça. Alors comme par hasard il m'a bouffé le truc. Peut-être que ça attire juste. L'avoir un truc infecté, ça attire les bébêtes. Oh, il y a une pierre. La pierre tremble devant vous, des symboles inconnus brillent à l'intérieur. Un frisson vous parcourt, remontant dans vos bras et votre cou. Une vision intense s'empare de votre esprit. La lueur verte de l'horreur apparaît... De l'aurore, pardon, apparaît dans le ciel nocturne au-dessus de la station balnéaire. Un grondement lointain secoue les toits de chaume, tirant les rêveurs de leur sommeil. L'eau se retire, exposant le corail à l'air chaud. Les créatures perdues dépillent et cherchent une cachette. Quelques instants plus tard, l'eau revient, déchaînée, emportant les âmes dans la mer. Ça, c'est un raccourci. Il y a un objet derrière. Pas d'autres explosifs. Prendre un coup. Je crois que c'est ça en fait, ça doit attirer les groupes à bout. Bonne journée Mimi, des bisous. Et encore merci pour le DLC, faut que je trouve dans le jeu où c'est. Faut que je le trouve. Je vais regarder ça. On va essayer de pêcher un peu pour... Il y a un requin marteau là-bas. Et je sais pas si je vais avoir ce qu'il faut pour... Ouais, bah je voulais essayer mon explosif sur autre chose. Donc. Alors que j'en rachète un. Oh, c'est un très gros. Et ouais. Je peux pas le caler. Mais au moins, j'ai pêché la plus grande taille. Finalement, j'avais pas ce truc là au milieu qui est cassé. Pas le point. Mais j'ai pêché une grande taille. Ça va falloir retourner. Attends, c'est quoi ce phare là? Non, c'est celui de la maison. On le voit d'ici. Et GG, Revax, un niveau de plus. Oh, déjà. Ah oui, du métal. Ah, il y en avait encore. Est-ce qu'on prend une autre? Coup d'hypno, comme il y avait. Sacré bestiole quand même.
des sacrées bestioles. Ah bah ça c'est ok, ce qu'on a avec le filet, on peut aussi les avoir comme ça. Ok, intéressant à savoir. Et merci pour le raid, Taya, bienvenue à tous. Et sur quoi de beau? Au moins je vais être tranquillou, tranquillou. Ah, bon café. Comment ça va tout le monde? Et bienvenue Totaya, comment vas-tu? Démonologiste, ah. Pas trop flippé. Oh! Un vivano sanglant. Oh, lui fait flipper, lui. Lui fait bien flipper. Il est beau et flippant à la fois. Coucou Red Arrow! Ça va bien et toi? Ah, bonne nuit météo! Fatigué Totaya, ah bah tu m'étonnes. T'as fait toute la nuit? Calamar. Ah bien, hein. T'as aimé. Ah mais il y a une autre pierre là. Ah oui, 15h. Oh ah, ouais, ce truc il m'a attaqué. Ah mais je suis déjà assez cassé comme ça, hein. Et c'était pas assez cassé? Elle est où la... Elle est où la vendeuse? Attends, mais elle est là? Ah ouais, elle est là. Pourquoi depuis quand ça attaque ces trucs-là? Ah bah des fois on va pas le temps passer hein. Une fois j'ai fait 32 heures. Il y a des fois on va pas le temps passer. Enfin, par contre ça va me coûter cher en réparation tout ça, c'est pas très rentable. Ah la vache. Pourquoi il m'a attaqué ce truc? Il peut y aller du jour. Il est génial ce jeu. J'aime un peu les jeux de pêche et l'univers Lovecraft. Il y a un bon mix entre les deux. Après, c'est le max que t'as droit de faire, Edaro, maintenant. Ah oui, j'ai la pieuvre. Il me manquait pour la quête. Bah, c'est parfait, on va pouvoir rendre la quête. Je vais la laisser plutôt là, la pieuvre. Comme ça, ça va rester ici. D'abord, amener ça à la quête. Et il y a ce truc aussi, il va encore m'attaquer là, de jour. Tu peux te prendre un ban si tu vois au-dessus. C'est parce qu'il y a eu un streamer américain qui est décédé pendant un marathon. Tu sais, les gens, ils écoutent pas leur corps et voilà. Ah, il m'attaque encore. Oh, j'ai réussi à me barrer. Bah moi j'en fais, mais j'ai un max quoi. C'est 24 heures max. Faut se mettre un max, sinon... Par rapport à toi, ce que tu peux quoi. Tant que les gens sont prévenus, voilà, ils savent que ça peut pas aller plus haut et voilà. Coucou Fighters, comment ça va? Tu sais, il y a des streamers qui ont des soucis de santé et qui écoutent pas, tu vois. Si t'as besoin d'arrêter, faut arrêter. Hein. Moi, si je me sens pas bien pendant 24 heures, j'arrête et je reprends un autre jour. Hein.
Faut pas forcer quoi. Il y a des jours où t'es moins en forme que d'autres. On va pouvoir finir ça. On dirait que tu as attrapé tous les spécimens de surface qu'il me fallait. En fait, il me faut aussi des spécimens qu'on trouve un peu plus en profondeur. Mais ça risque d'être un problème. Je n'ai pas ce matériel pour pêcher en profondeur. J'ai développé un dispositif qui permet de récupérer des échantillons des abysses, mais il était dans le centre de recherche avant l'attaque. Pour savoir comment éloigner la créature assez longtemps pour récupérer ces échantillons. Et pendant que j'y travaille, j'aurais besoin que tu me trouves des pièces prototypes. Prudence, je te conseille d'y aller dans la journée. Mieux vaut éviter d'être sur les récifs la nuit. T'as trouvé je sais pas quoi là? C'est quoi les pièces prototypes? Ils doivent être au milieu j'imagine mais... Oh ouais, ça va, tranquillou, tranquillou. Ça pêche dur. Attends, on est où là? Comme le truc il est fait en rond, des fois je sais plus où j'habite. Des pièces prototypes au milieu? Regardez-moi ça là. Elle a l'air de dormir. Oh ok non, elle bouge. Oh putain, putain, elle me fait peur. Du tout, elle dort pas, elle dort pas. Ah, il va faire nuit. Oh putain. Ah, on est ici. Ah merde. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. La nuit elle doit être plus vivace. Ouais, je sais pas comment elle veut que je récupère. J'ai pas vu de. Ah, pourtant il y a bien une croix au milieu. Hein. C'est bien au milieu qu'il faut que j'aille. Hein. Ah, je dois aller chercher les pièces. Et ça pique un petit peu. Il y a un petit peu un gros méchant. Oh, on va y arriver. Prendre des coups, mais. En temps, essayer d'améliorer notre bateau. Est-ce que je dois réparer? Elles le vont plus. Dès que j'ai les sous, elles vont plus. Les points de recherche, elles en vont parfois, mais j'ai jamais les sous. Oh. Ah, il nous faut ça. Oh, des bouts de métal. J'aimerais bien avoir une coque en plus, plus 9 en place. J'aurais plus 9 places. Je sais pas si on va arriver à l'avoir aujourd'hui le truc. Bon après on est passé niveau 2 aujourd'hui hein, du bateau, c'est déjà. Et merci French TV pour le follow, bienvenue. Et les îles, alors on peut pas aller sur les îles. C'est logique, comment c'est foutu le jeu. Mais des fois sur les bords des îles.
Ouais, j'arrive à choper. Oh, je sais pas pourquoi ce truc-là il m'attaque. Un persien sauvage apparaît. Oh, m'attaque-t-il? On a un petit requin marteau. Pff, on a un grand. Oh merde! Un requin tracker. Oh, putain, c'est dégueulasse. J'ai eu un trophée en plus dessus. Oh, il est ignoble. Il est absolument ignoble. Oh, les poissons maudits là. Il y en a certains, ils sont bons, mais il y en a d'autres. Oh là là, ils te retournent l'estomac. Oh, chevalier bébé, coucou Régine. C'est vrai que 9 emplacements de plus, ça serait pas mal. 122. Oh, ça, c'est beau, ça. J'en trouve un peu partout. Oh, un requin encore. Vraiment une forme c'est chiant. Il me faudrait des petits qui font un d'emplacement avec lui. Mais cela je peux pas les faire. Et par contre, ah si je peux. Non, je peux pas. Quand il y a la barre, c'est que je peux. Bon, avec tout ça, on a pêché du. On n'a pas été chercher ce que j'avais besoin. Par contre, le requin, ils ont un cher. Il prend beaucoup de place, mais voilà. Ça vaut le coup. J'ai plein de trucs comme ça à vendre. Je me téléporte très bien pour vendre tout ça. Je peux pêcher ça parce qu'avant on pouvait pas. Moi je peux. Non mais la vache, TP était de toute beauté. Oh là. Oh là 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 là. Quelque chose se glisse dans votre cale. Pas rien dans ma cale. Oh oui, une grande taille. Je vais débloquer. Oh, calmar croqueur. Eh ben, c'est bonne. Il y a quelque chose qui s'est mis dans ma cale, mais j'ai rien vu. Alors, négociant, on va lui vendre. Ouais, toutes les babioles comme ça. Ça me fait quelques sous. Bien foutu hein, les rochers qu'on voit pas hein, dans la lumière et tout, c'est vraiment bien foutu. Alors ça c'est la ville de base hein. Au début vous arrivez ici. Ah, la gardienne du phare vous attend sur le quai. Elle n'a pas l'air contente. Je t'ai vu partir vers l'horizon, traverser cette étendue profonde. Je trouve ça prudent. Quel est le problème? T'as un peu joué avec le feu, je ne trouve pas.
Les choses vont suffisamment mal ici pour que tu sèmes le chaos. Elle s'en va brusquement, tout en marchant sur le quai, elle observe l'eau. On s'est fait encore engueuler. Ah ouais, j'ai mon requin qui est infecté. Bon sang, vous avez l'air épuisé. Vous n'oubliez pas de vous reposer, pas vrai? Comme je dis toujours, il faut prendre des pauses régulières pour être productif. Comment c'est si mon perso est fatigué? Il a pas l'air fatigué. Faut encore ça. Ah. Voilà. Il me faut des... On s'appelle des métaux là. Quartier Kenshi, comment vas-tu? Bienvenue. Quel marque. Retourner où? On pourrait retourner un coup là-bas. Donc j'ai vu que la tornade là, mais ah. Autre réunion, bah ça fait partie donc non. Il y a tout un truc avec le système aujourd'hui et les monstres. T'enlèves ça, enlève... Oh, non, allez-vous-en! Pas me voyer mon calamar. J'essaie de leur faire peur, mais ça marche pas. Ah là-bas. Donc j'ai pas. Ça fait partie du jeu, si t'enlèves tout ça, bon bah le jeu il va manquer de quelque chose quoi. Pikachu, Pichu, comment ça va aujourd'hui? Oula, il y a une tornade à côté. Là, je l'ai pas. Oh, mon poisson préféré! Il y a aucun légendaire, mais il y a pas un légendaire. Un en taille, mais non. Après cela, oh, je sais plus. J'aurais peut-être plus là. Un petit tour, voilà les poissons. Je peux récupérer maintenant ici. Et dans le coin, il y a pas mal de ce qu'il me faut. Ah, enfin! On peut l'acheter. Et on a du pognon. Hein. On a enfin du pognon. Hop! Terminé, chalut amélioré. Alors,
C'est quoi le nouveau chalut? 30 ans de case. 10 par jour au lieu de 2 par, de 8 par jour. On va installer. Celui-là. Voilà, on va avoir un meilleur rendement. C'est pas mal ça. Ça me paraît pas mal. Oh, j'aimerais bien trouver les matériaux. Un peu dur de dégager et de regarder en même temps. Et notre bateau il a quand même... Ah merde, ça s'est pas remis. Notre bateau il s'est quand même bien amélioré. Hein. Franchement aujourd'hui on l'a bien... On l'a bien géré. On a fait pas mal de quêtes quoi. La dernière fois on était un peu bloqué et là ça s'est débloqué. J'essaie de garder un explosif sur moi pour tester un truc. Cas de besoin, mais j'arrive pas à retrouver. Là, c'est celui. Ah, c'est ça qui nous. C'est ça qu'on a besoin. Ah non, c'est autre chose, c'est quoi? On me parle pas. Bien. Hop, c'est super bien. J'ai pas intérêt à le perdre durant la nuit. Bon, j'ai pas trouvé. Ah, c'est ça que je voulais dire. Non, on peut pas mettre d'explosifs de. On ne peut pas. Je vais tester. Hakuna Matata. Ah, c'est ça qu'il nous faut. Comment ça va, Simba? Ça va le réveil. Hein. Que la prochaine fois on essaiera de monter le bateau au niveau du donc il va à faire du stock de tout ça. Ah putain, j'en ai eu deux quoi. Oh là 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 là. En fait c'est ça qui me manque le plus, c'est les pièces de recherche. Est-ce que vraiment je manque là pour... les choses qu'on a besoin pour le bateau. Alors ça va parce que j'ai un... pouvoir me sauver. Ah, oh, il y a une bouteille en plus. Un diable des mers. Alors. On va jeter un jeu de paix. Ok, il y a un... Oh punaise, il y en a une... Y a un truc qui m'attaque.
Ah, quoi qu'il y a le... En fait, le problème, c'est qu'il y a un diable des mers. Mais ah, faut pas que je loupe, c'est pas le moment. Il y a une méchante bébête. Mais il est où? Oh, tiens, une bouteille que j'avais pas vue. On va la lire après. Heureusement, il m'a pas fait sauter de. Je sais pas ce qu'il m'a fait sauter. Ah, il m'a fait sauter un truc que j'avais besoin pour mes améliorations. Et bon, moi, il m'a pas fait sauter ça. Ah, bah, j'en ai un autre là. Ah, je savais pas qu'il allait aussi loin le serpent. Aïe, 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 aïe. Je rappelle que le jeu est sur la boutique de la chaîne hein, pour une exclamation shop. Cette guilds. Moi je sais pas, j'aurais peut-être le temps de jouer dimanche, mais avant c'est sûr que non. Et pas sûr. Peut-être lundi matin tôt. Oh, on a le choix entre les deux. Je vais avoir besoin de tout ça, c'est ça le problème. En vrai, il me faudrait ça directement en fait. Est-ce qu'on peut direct mettre là-dedans? Parce qu'en vrai, une 4... Ça, tu dois enlever, remettre, enlever, remettre, enlever, remettre. Alors que si j'achète direct ça, je suis tranquille. Parce que ça sert à rien, ça va me saouler en fait. Bonjour Fania, pour commencer, pour salir les règles de la chaîne. Chiant. Chiant, chiant. Ok, tu peux. Ah non, c'est pas. Dommage, dommage. Je vais mettre de côté en attendant. Dégoûté par contre, on a perdu un truc comme ça. C'était ce que j'avais plus. Oh. Un autre, non. Sud-ouest, on va retourner là-bas du coup. On va se repositionner là-bas. C'est dur la politesse. Hein. C'est dur. Les filles maintenant, j'ai peur de me faire attaquer partout. Là on a une petite truc. Pourquoi il y a peut-être un truc caché derrière. Ah, il y a ça en tout cas. Oh! Il s'approchait d'une silhouette encapuchonnée. Sa tunique dorée, celle, recouvre tout son corps. À l'exception de ses mains noircies usées. Au début, j'ai cru que c'était une statue. Pêcheur. Les profondeurs. Appel. Répond. Sa voix gargouille comme si ses poumons étaient remplis de liquide. Une réponse.
La silhouette encapuchonnée tient un parchemin. Elle tapote du doigt une forme, on dirait un vivano rouge. Oh, je ramène un vivano rouge ici. Moi, je vais me souvenir, moi. Je le ramène avant. Pas de vivano là dans ma. Là-bas, il y en avait. J'ai un à chercher et que je les ramène. En plus, ils te mettent pas de croix. Va te souvenir, toi. Va te souvenir. Une dalle de pierre dépasse des vagues. Quatre formes représentant d'énormes poissons. Ouais, je... Et là, il est plus grand. Je crois que c'est ça. Alors qu'on en trouve. Ah, y'en a un là. Je pense que c'est. Et est-ce que ça reste quand on met de. Voilà, s'il faut tous les avoir sur soi. Ça va être compliqué. Par rapport au... Pas celui-là, ça doit être un autre. C'est pas... Ça serait bizarre. Faire tenir. J'ai quand même le laisser dedans, voir si ça reste pas. Oh, c'est un requin ou un truc. Oh oh. Oh non, on est dans la mer. Attends, parce que est-ce que j'ai. Il y a un vivano rouge. On peut retourner voir le gars. Ah, mais Denis, on va se faire défoncer. Folle. Je vais voyager à lui, je suis folle. Bon, en attendant, on pêche en même temps. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Merde, je passe de l'autre côté. Comment se rassurer dans la nuit? Tu bazardes un petit peu de son. Ah, ça a l'air de faire fuir, hein, non? Hein? Oh, je le trouve pas, le gars! C'est trop nuit. Ah, c'est là. Poussez-vous, poussez-vous. Bonjour, je te ramène à un poisson. Elle déchire la gorge du poisson et lui arrache le cœur. Celui-ci est dans sa bouche avant même que vous réalisiez ce qui se passe. Un autre, un sacrifice. Elle indique une autre forme sur un parchemin. Un poisson ogre. Ouais, mais c'est la version... C'est la version démoniaque de ça.
Mais ceux-là, ces petits poissons, on les avait là-bas à Mordfa, non? Aïe, aïe, aïe. Il faut une version... Tu fais quoi, requin? Aïe aïe aïe, il m'a fait trop mal. Coucou Yoyo, Odo Barto. C'est quoi déjà qu'il me fallait? C'était les petits. Non, c'était pas les Sébastes, c'était les autres. Putain, mais il est pas cool le jeu. Hein. Et les autres là, ils sont. Bien sûr, comme par hasard, quand j'en veux, j'en trouve. Ah, il me faut ça. Ouais, bah ouais. Va faire demi-tour là-dedans, toi. C'est ça qu'il me faut. Et il me faut ça. Donc ça va nous coûter cher, il n'y pas. On a récupéré ça, on va peut-être pouvoir améliorer notre bat un peu. C'est génial avec ces petits poissons, c'est plein partout, ils prennent qu'une case. Ah, c'est pas eux, ils sont où? Et là, il y a deux autres. Ça a changé. C'est là. Ah mais il me l'a bouffé le requin, il m'a bouffé le petit. Ah non c'était... Ah non c'est les Sébastes. Il y en a deux différents, il y en a un qui est gros et il y en a un qui est petit. Ah non ça c'est les petits. C'était les gros. Ah voilà, c'est ça qu'il me fallait, pile poil. C'est plouf. Jeter 25 poissons. Plouf. Il faut que j'aille lui amener ça, mais d'abord on va réparer. Ah, ce pêcheur de l'enfer. Oh, ça m'a coûté. Est-ce que je peux. Dog flottant. Et la nouvelle coque, il me faut ça. Et la nouvelle coque, il nous manque pas grand chose. Hein. On a l'argent, il nous manque juste deux planches. La 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 la. La 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 la. Ah, je vais amener ça. En fait, j'aurais voulu m'arrêter là mais, et aller sur Assassin's Creed. Mais je vais d'abord aller amener le truc parce qu'on va oublier quel poisson c'était amené. Je vais le faire vendre et il faudra qu'on le repêche. Ah, c'est chiant par contre. Tu peux pas te laisser de. Ça laisse pas de petite croix. Tu peux pas laisser un petit marqueur sur la carte. J'aurais juste voulu ça en plus. Toute la journée, je finirai par en avoir marre. J'apprécierai plus ce que je fais. J'apprécierais plus. Et où? Ah, il est là. C'est pas ça. C'est pas le bon.
Ah non, c'est poisson ogre, mais ils ressemblent tellement. Non, c'est pas lui. On l'a pas du tout. Ouais, c'est donc on est là-bas du coup. La zone qu'on faisait. C'est quoi ça? C'est ça qu'il me faut pour le. Ouais, que je me souvienne. Il y a un truc sur ces îles-là, là. Au sud. Et quand j'aurai le matos. J'ai pas le matos. Bon, je pense qu'il faut que j'ai le matos pour les abysses. Ouais, c'est une meumeu. Et t'as la ferme des écrémeux où tu peux acheter du lait d'écrémeux et ça redonne je sais plus combien de 200 points de vie à tes Pokémon en tout cas. Elle est marrante. Est-ce que j'ai un sur moi? Non, j'ai pas d'explosif. Mais la prochaine fois, ouais, faut qu'on trouve des planches et on va pouvoir monter notre bateau niveau dessus. Je trouve qu'on a quand même bien avancé aujourd'hui. Hein. Après, il faudrait que je fasse un peu plus de sessions pêche, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un meilleur truc. Bon, déjà, on a largement mieux qu'avant pour notre bateau. On a quand même mieux. Tu veux pas vendre de ça? Parce qu'en fait, le problème. J'ai. Non, c'est ça qu'il me faut. Mais ça prend 6. Et si je prends ça, je vais quand même le débloquer. Ah non, je peux pas le débloquer. Bah, c'est pas lié à ça pourtant. Faire autre chose. Ah non, j'ai pas. Ah, c'est parce que mes pièces elles sont pas dans mon. Des fois t'abuses un peu le jeu, je suis sur place quand même. En quoi j'ai. Ça me dit que j'en ai deux. Ah oui, là je peux pas. Ils ont peut-être oublié de mettre un fil. Il y a une quête. J'étais en train de me dire, mais attends, j'ai sur moi, tu te fous de ma gueule. Enfin, je suis sur sa place. Mais ça prend 6 de toute façon. Oh. Ça prendrait soit 6 de là, soit 6 de là. Donc soit j'aurais plus mon filet, soit je pourrais plus pêcher dans l'océan, quoi. Et ouais, le choix est difficile. Après, c'est voulu par le jeu, hein, mais... Pas évident. Alors normalement, ça sauvegarde quand vous vous amarrez. Normalement, ça a sauvegardé là. Ça s'inscrit ou aujourd'hui? Ah ouais, ça s'inscrit pas là là. Oh, il y a sauvegarde. Là aussi. Au pire, pire. Et tout à l'heure aussi, un peu de musique pour finir le stream. Thank you.
Au théâtre rythme final Berline. Mais ouais, Dredge, il est vraiment génial, hein. Il est vraiment cool. Ah, je suis totalement satisfaite. Je l'attendais beaucoup et j'aurais pu être déçue, mais pas du tout. C'est vrai que des fois qu'on attend trop un jeu. Ah, c'est aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps d'y jouer, mais j'essaierai de passer vite fait au moins. Hier, je l'ai lancé, mais j'ai quasiment rien fait dessus au final. Au final. Bah, c'est même encore mieux, parce que comme moi, tu sais, j'ai rien regardé pour pas me spoil. J'ai juste vu que c'était un jeu où t'avais un chalutier et que t'allais pêcher. J'ai pris le jeu, tu vois. Enfin, j'ai suivi le jeu, j'ai voulu. Mais le côté Lovecraft, c'est bonus, quoi. J'adore l'univers Lovecraft dans les jeux vidéo, du moins parce que les livres sont en cours de lecture. À chaque fois, ça donne un petit truc. En fait, ça fait un peu flipper, c'est un peu glauque, mais c'est pas non plus. C'est pas horreur, quoi. C'est vraiment une petite touche et c'est très sympa. Et du coup, ouais, petite pause boisson, tout ça, tout ça. Merci à ceux qui restent avec moi, peu importe le jeu. Moi, en petite lurk, le son 1% pour soutenir. Et puis, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi l'info, ça y est, je suis partenaire YouTube. Et pour ceux qui regardent les rediffs sur YouTube, c'est comme vous voulez, mais si jamais vous voulez soutenir la chaîne, c'est à désactiver les bloqueurs de pub. Voilà. Si jamais vous voulez lancer une vidéo, vous n'êtes pas devant le PC et vous voulez lancer une vidéo, c'est possible maintenant. C'est possible. Je sais que ça change pas grand chose pour vous, c'est plus pour voilà, soutenir la chaîne sans que vous sortiez la carte bleue, quoi. C'est tout ce qui change et moi ça me permet d'améliorer la chaîne petit à petit. Un peu plus. On verra, mais pour l'instant c'est le début donc. Faut que je vois un peu comment tout marche. Du coup, j'arrive. Petite pause boisson. Je vous mets une Battle Royale. Juste pas. Je vais enlever les alertes et les Pokémon hein, sur le jeu d'après. Parce que ça gêne. Voilà. Et j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, les Chocobos.